Salut tout le monde, ici GameKing pour ce nouvel épisode de Kingdom Hearts Final Mix HD. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super comme d'habitude. Il n'y a pas eu d'épisode mercredi parce que mon disque dur Oops Weaker est parti sur console a planté. Ne voulait plus enregistrer, puis aussi j'avais enregistré, ça a tout été correct. Jusqu'à temps que mon disque dur que je rentre à l'ordi, il voulait pas être détecté, il voulait rien savoir. Donc c'est ça. Puis on était à 7h, donc je pouvais pas aller assez une clé USB à 16 Go. Donc j'ai dû annuler l'épisode. Je suis désolé. Puis c'est ça. Dans le dernier épisode, en plus, il n'y a pas eu de son. Ah, caméra, arrête de faire des conneries. Bon, c'est ça. Il n'y a pas eu de son. Parce que droit d'auteur YouTube m'empêche de mettre la chanson d'introduction de ce jeu, de ce magnifique jeu, Kingdom Hearts. La chanson d'introduction qui est Timbal & Clean. Donc, c'est ça, quand il dit depuis peu je fais des règles étranges. C'est ça. Ils m'ont coupé le son. Donc c'est ça, je dois redire qu'est-ce que j'ai dit dans le premier épisode. Que ce jeu est sorti en 2002 par Squaresoft et édité par Disney Interactive Studios, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. La réédition HD est sortie en 2013 par Square Enix et développée par. Non, développé par Square Enix et édité par, si je ne me trompe pas, Disney Interactive Studio encore. C'est un mélange entre Final Fantasy et Disney qui se prête bien. C'est super, super bien réalisé. Parce que on ne s'entend pas de voir Disney une licence que dans la tête du monde, c'est assez enfantin versus du Final Fantasy qui est plus adulte. Mais plus peu adulte, mais plus adolescent. Donc on s'entend pas à ce mélange là. Je veux pas le viser. Qu'est-ce que c'est d'autre? Ouais, on a vu on a battu le Dark Side dans le dernier épisode. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah! Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah, que je me rappelle parce que ça fait depuis lundi qu'il n'y a pas record de 1-9. Un truc rond en fait en haut. Bref. C'est quoi que... Ah oui, on a appris qu'on possède la plus puissante des armes, puis qu'on ouvrirait une porte, si je ne me trompe pas. Puis on a eu notre premier contact avec l'univers Disney, donc on a vu Dingo et Donald, qui cherchent le roi. Puis j'ai décidé, si je suis pas trop paresseux, peut-être parce que le jeu est en anglais, il sortit sur PSG en français, avec les voix françaises. Si je suis pas trop paresseux, si j'essaie pas d'avoir une grosse flemme hardiste tout d'un coup, peut-être de vous mettre les voix en français pour ceux qui ont de la difficulté avec l'anglais. Mais ça c'est pas sûr encore. Mais ça va me demander plus de montage, mais ça me dérange pas. Ouais. Pourquoi le jeu est en anglais et non en français comme sur la version PS2? Parce que la Final Mix est sortie seulement au Japon. Mais c'est pas juste ça. Il y a à cause de Sand of Memories qui est dans la compilation, c'est une compilation de 3 jeux, 2 jeux jouables, puis un jeu avec juste des cinématiques. Puis c'est ça. Donc à place de décider de traduire Sand of Memories, ils ont décidé de tout mettre en anglais. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Même si les voix en français sont super super bien réalisé. Puis c'est ça. Puis aussi dans le dernier épisode on a ramassé des éléments pour faire le radeau. Radeau parce que nos amis veulent explorer. Je vous rappelle les noms. Moi je suis Sora. Il y a aussi. Mais là ils sont pas là, on peut pas les voir. Comparé du dernier épisode. Il y a aussi Riku et Kairi. Comme amis. Qui veulent partir en voyage. Là c'est ça, elle m'a demandé d'aller chercher
le truc pour le radeau, construire le radeau. C'est ça. Non. Je vais aller la voir parce que je sais où le radeau. On se trouve dans la baie. Le radeau se trouve dans la baie. Puis là, je viens de me péter la gueule. Bon. Je me suis cassé la gueule. Attends. Ah, il y a quelque chose. Attends. Oh, je peux monter, je sais. Bon. Je vais prendre la caisse parce que je sais qu'il y a quelque chose à faire avec la caisse. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien. Non, moi je le vois pas en tout cas. Il y a un coffre là-haut. Donc je vais aller le chercher. Pour tout de suite. Ah, mon. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que. Je fais le 1 parce que j'ai goût de faire. Le 2 en let's play, je vous dis. Le 2 qui va sortir en décembre, mais le 2, je parle le 2. Le remake du 2. Parce que le 2 est sorti sur PS à base, mais il va ressortir comme celle-là en compilation en 2013 pour la PS3 seulement. Donc c'est ça. Bon, qu'est-ce que tu peux. Le radeau est presque prêt. On n'a plus qu'à chercher la nourriture. Tu sais où est Riku? Non. En fait oui, mais je sais pas si vous l'avez vu, donc je vais y aller. Allez Riku, où es-tu? Il est là-bas. Ah Riku, ça c'est nos trois amis qu'on peut voir, on a vu Kairi. Puis voici Riku, donc je vais aller lui parler. Allô. Au fait Zora, notre ado n'a toujours pas de nom. Voyons, au vent, ça te plaît? Tu l'appellerais comment toi? Ah ouais, c'est ça. Je sais pas. Je vais l'appeler. Puis aussi j'ai dit que les thèmes abordés dans le jeu sont l'amitié, les ténèbres. Non, c'est pas ça. Bon, l'amitié, les ténèbres. Je manque la merde là. Bon, l'amitié, les ténèbres, le voyage, tout ça. L'amitié, c'est tellement compliqué, c'est tellement pas beau comme nom. Donc, je vais prendre ça, c'est tellement ringard. Ouais, c'est pas beau. Moi, ben, amitié. C'est drôle. Bon, je préfère au vin. Non, essaye pas, je préfère amitié. On fait la course pour se départager. Ok. Encore la course? Bon, je vais l'arbitrer, les règles habituelles, on passe par où on veut. On touche l'arbre étoilé et le premier revenu a gagné. If I win, I'm captain. And if you win, I get to share the palpu with Kairi. Huh? Deal? The winner gets to share a palpu with Kairi. Oh, wait a minute. Okay, on my count. 3, 2, 1. On passe où on veut, go. On se passe par l'eau parce que c'est la meilleure technique. Ça c'est de mémoire. En fait, c'est pas une mémoire parce que j'ai vu que le mercredi, je suis con de dire ça. Non, c'est ça que j'ai fait, puis c'est super bien remporté la course. Donc, je passe dans l'eau. Bref. C'est pas un let's play découverte vu que j'ai déjà fini une fois. Ah, va-t'en. Là, il est juste là. Il va aller toucher l'arbre, puis moi, je m'en vais par le même chemin qu'il a passé. Bref. C'est ça, j'ai déjà fini une fois sur la PS2. Donc ça va pas être un let's play tant découverte que ça. Là je veux pas qu'il me rattrape. Donc je parle peut-être pas au gros. Bon ok. J'ai gagné, ça fait 1-0. Désolé Pierre. Allez, détends-toi, ce n'est qu'un nom. Ouais mais tu voulais partager un pas ou pas avec une copine. Ah, mais ça. C'est ma copine. Bon ok. Ce que j'ai dit. Ah, pour le Paopo, c'était une blague. T'aurais dû voir ta tête. Et ça, non. Ouais, je me sens vexé. Je sais pas si elle dit ça, mais j'ai vu vexé, donc. C'est ça, je me sens vexé à cause de toi. Bref. Oui, j'ai vraiment ça, ce coffre-là. Bref. J'ai des trous de mémoire. Oh mon dieu. Bon, ok. On va aller parler à Kairi. Copine. Bon. Aujourd'hui, on rassemble les provisions du voyage. Alors voyons, toi tu dois trouver un œuf, 300 pignons, 2 noix de coco, 3 poissons,
et remplir ça avec de l'eau, mais pas de l'eau de mer. Tu rapportes tout ça ici? Viens me voir, ok. Ils vont se nourrir avec deux noix de coco, les noix de coco vertes comme ça. Pas ça là sont pas bonnes. Ils sont trop mûres, je sais pas en fait. Mais c'est ça. Ils vont se nourrir seulement avec deux noix de coco, du poisson puis des champignons. Le voyage de l'extrême. Ah, frappe-moi. Je veux plus se frapper l'arbre. Allez, frappe. Allez, frappe. Frappe. C'est long. Allez. Il n'y a pas de noix de coco. Ouais, il est là. Bon. J'ai deux noix de coco, donc c'est correct. On peut partir de là. Là, je vais aller sortir les champignons. Ça, c'est qu'il y en a un là. Ah, je vais avoir le champignon. Gros pouce. Bon, je peux passer. Non, il faut que je pousse encore. Yeah. Allez, un champignon. Ça nous en prend trois champignons de mémoire. Il faudrait que j'arrête de dire de mémoire. Je trouve que j'ai trop de mémoire. Mais ça prend trois champignons pareil. Allez, oh non, oh, il tombe trop vite et tout. Bref, les toiles étoilées qu'on a vues pendant la course, ben il fallait que je tousse. Il paraît que c'est une référence à Mario parce que je sais pas. Il paraît qu'ils sont inspirés de Kingdom Hearts pour faire Mario. Ça tient la route pour l'arbre étoilé, mais je sais pas. Parce que Super Mario 64 est un jeu assez libre, donc c'est ça. Ouais, c'est vrai, je n'ai pas parlé de ça. C'est un jeu de. De style action RPG, là, ça c'est le poisson. C'est un style, un jeu de style, et là. Elle revient, bon. Ok, c'est un jeu de style, je vais me dire, de type, en fait. Action RPG, donc c'est en réel, comme vous avez vu dans le premier épisode. Les moments qu'un autre. Par là. Par là, allez, poisson, poisson, poisson. Bon, ok. Je vais juste voir si ma caméra est correcte. Ou est inversée. L'axe Y, je vais juste voir si. L'axe Y, là, c'est inversé, c'est plus facile. C'est plus facile quand tes axes sont inversés. Là, ça me prend de l'eau potable, j'ai carrément oublié. Tiens. Ça prend l'eau qui coule, sinon l'eau de l'eau là-bas. Parce que elle veut pas cette eau-là. Allez, monte. Je vais aller chercher l'œuf, c'est ça qu'on a vu. Donc, go, saute. Ah, saute. Elle s'est sautée, oui. Ok, c'est bon. On peut grimper. Moi je veux l'œuf. Allez, l'œuf. Allez, saute. Ah non. Pas grave, on va recommencer. Et bon, je remonte. Bon, faites des petits câlins à l'arbre, ça va être beau. Et allez, bon. Caméra. Ah, la caméra est pas évidente. Il manque juste un champignon. Mais où est-il? Il se trouve. Il se trouve où le. Oh, on a jamais été ici, la cassette secrète. On y va. Go. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, parce qu'on n'a jamais été. Puis, ah, c'est étrange, on voit une porte. Qu'est-ce qu'elle fout là? Puis, il y a le champignon, on va aller le prendre. Who's there? I've come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. Well, what are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world. There is so very much to learn. You understand so little. Oh,
yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. On a vu un homme mystérieux, on sait pas c'est qui, puis où qui vient, il est apparu là, puis on le voit plus. Mon dieu, ah, il est parti! Bon, ok. On sait pas c'est qui. Il nous a dit que notre monde est connecté. Je sais pas si... On sait pas de quoi qu'il parle, puis à quoi sert cette porte. Examiner. Impossible de l'ouvrir, comment est-elle arrivée ici? Bon. C'est normal, il n'y a pas de poignée sur... Bon, bref, il n'y a pas de... On se demande comment il est arrivé, il nous dit que notre monde est connecté, on comprend pas tout trop encore qu'est-ce qu'il y a. Parce que c'est cher. On va l'apprendre plus tard, je vous le garantis. Mais là, on ne sait pas trop c'est quoi qui... Pourquoi il dit notre monde est connecté. Ce monde-là est connecté. Bref, on y va. Là, faut que j'aille voir Kairi parce qu'on a toutes les provisions. Ouais, on a toutes les provisions. J'étais en train de réfléchir si on les avait toutes, mais semble on les a. Donc, on a 3 poissons, on a de l'eau potable, on a 2 noix de coco, puis on a un œuf. Donc, ça doit être correct. Je crois. Je crois que ça doit être correct. Bref, on va aller la voir. La voir. Bon. Allez. J'ai fait un collier de coquillage Thalassa. Les marins en portaient toujours autrefois. Il était censé assurer un voyage sans danger. Tu vois ça? C'est un porte-bonheur. Qui nous aidera à nous retrouver si nous sommes séparés un jour. Nous serons toujours ensemble. Tous les trois. Ok, c'est beau. C'est beau. Elle veut pas qu'on se quitte. Go, on va encore la parler. Merci Sarah, moi aussi j'ai trouvé quelque chose. Tiens, ah, une potion plus, c'est pas rien. Mais merci. Fatigué, on s'arrête pour aujourd'hui? Ouais, rentrons, go. Ok, demain c'est le grand jour, allons nous reposer. Ok. Riku's changed. What do you mean? Well... You okay? Sora! Let's take the raft and go! Just the two of us! Huh? Just kidding! What's gotten into you? You're the one that's changed, Kairi. Maybe. You know, I was a little afraid at first. Now I'm ready. No matter where I go or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. That's good. Sora, don't ever change. Huh? I just can't wait. Once we set sail, it'll be great. Donald, pardon. Je suis navré de partir sans dire au revoir, mais un grand danger nous menace. J'ignore pourquoi, mais les étoiles s'éteignent les unes après les autres. Cela signifie qu'un désastre se prépare. Désolé de vous abandonner, mais je souhaite comprendre ce mystère. Un garçon possède une clé, la clé de notre survie. Toi et Dingo devaient le trouver et rester avec lui. Il nous faut cette clé où nous sommes perdus. Rejoignez la ville de Traverse et trouvez Léon. Il vous dira quoi faire. PS. Peux-tu transmettre mes excuses à Mini? Merci mon ami. Oh dear! What could this mean?
just have to trust the king. George, I sure hope he's all right. Gladys, don't worry. We'll find the king and the skill. Thank you, both of you. Daisy, can you take care of them? Of course. You be careful now, both of you. Oh, and to chronicle your travels, he will accompany you. Over here! Cricket's the name. Jiminy Cricket, at your service. We hope for your safe return. Please, help the king. You're coming too! Gorsh, Jiminy, your world disappeared too? It was terrible. We were scattered. And as far as I can see, I'm the only one who made it to this castle. You see? Oh, right. I gotcha. You mean while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Order! Right. World border. Oh, I guess we'll need new duds when we get there, huh? Can't wait. Once we set sail, it'll be great. A storm? Oh no! The raft! Sora! Dinner's ready! Come on down! Sora? Bon, là on a entendu la mère à Sora pour la première et la dernière fois parce qu'on la entendra plus de toute la série du Kingdom Hearts. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Là je peux pas les taper comme qu'on peut voir. Ça marche pas. Donc là je sais pas quoi faire. Ah, non je sais pas. Bref, c'est ça. On a aussi vu
On a reçu une, Donald et Dingo ont aussi reçu une lettre du roi disant, Donald qui a été voir, mais c'est ça, qui a reçu une lettre. Where's Kyrie? I thought she was with you. The door is open. What? The door is open, Sora. Now we can go to the outside world. What are you talking about? We gotta find Kyrie. Kyrie's coming with us. Once we step through, we might not be able to come back. We may never see our parents again. There's no turning back. But this may be our only chance. We can't let fear stop us. I'm not afraid of the darkness. Riku? On a reçu de la Keyblade. Bref, je m'en fous. C'est ça. Qu'est-ce que je disais avant la cinématique? Il y avait. Donald a reçu une lettre. Là, je peux les taper. Je peux les frapper. Yeah. Bon, ok. Là, Donald a reçu une lettre du roi. Qui nous fait un gros mystère au début, mais. Et puis on sait juste à la fin, c'est plus le roi, mais. Tout le monde le sait, donc. C'est ça, c'est le roi Mickey, en fait. Puis, c'est ça, c'est un personnage très important dans la série des Kingdom Hearts. Même s'il n'est pas très présent dans le 1, il est plus présent dans le 2. Mais, il est très, très important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ouais, là, Riku est parti dans des nuages noirs. Puis il nous a dit qu'on peut partir. C'est étrange. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans la cinématique? Ouais. Donald, il a une moins bonne articulation que Daisy. On a pu voir ça. Bref, on s'en fout. Là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir la porte qui vient d'apparaître. Donc, on y va. Bon. On va voir qu'est-ce qui se casse en arrêt de cette porte qui vient d'apparaître. Go! Là, je peux pas utiliser la caméra, c'est génial. Kyrie! Sora... Très étrange, Kyrie a disparu sans laisser de traces. Mais pour qu'on rebatte le Dark Side qui a été battu dans le premier épisode, mais vous avez pas entendu, mais vous suivez mes commentaires. Mais j'ai battu ce film, si je me trompe pas. Bref, il faut juste le battre. On peut taper la main, la tête, on s'en fout tant que ça le fait mal. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Par là, allô, ok, il va. Il va faire sa charge au sol? Oui, je pense qu'il va faire sa charge au sol. Il va faire apparaître des 100 coeurs. Et moi, je m'en fous des 100 coeurs, je vais juste monter sur la main, que si c'est à la voix. Et... Ah, j'ai pas eu. Attends, allez, vous. Avec la Keyblade, ça fait plus mal. Sol. Bon, bref, je comprends. Là, j'ai pas réussi à cause. Que des 100 coeurs qui me. Bon. Qui m'énerve à 10 ans. Bref. Allez, je vais juste l'attaquer pendant qu'il est là. Ah, il fait une nouvelle attaque qu'il n'y avait pas dans son premier combat. Donc, go.
Je vais juste l'attaquer sa main. Là, je pense à l'attaquer sa tête. Allez, donc, je suis pas capable d'attaquer sa tête aux autres. On s'en fout. Alors, va-t'en. Je rêve, ok, grâce à ces boules là, qui vont tomber. Ouais, ils tombent du ciel, comme on peut voir. Ah, là, il va refaire sa charge au sol pour faire apparaître des sangles, donc il m'éloigne. Là, c'est ça. Là, je vais essayer de monter sur son bras correctement. Et... Non! Putain! Oh, c'est vénère, là. Pensez. Attends! Oh, putain! M'énerver! Les sauts sont vraiment horribles, c'est fou. Allez-vous-en. Je suis pas capable de les taper, ils décident tout le temps de se taper. Non! J'ai pas eu le temps de... Oh, c'est fou. La façon que c'est fait, c'est fou. En plus, dans le week-end que j'ai fait, là, j'avais même pas perdu. C'était super une belle partie. Bref, on s'en fout. Bon, je vais passer à la 5 parce que là, on l'a déjà vu. Puis ça risque d'être long à cause de ça. Je m'en fous. Putain. Je veux juste le battre. À cause des putains de sauts, ça va mal. Allez, va-t'en. Allez, frappe. Putain, c'est le main. Allez, je pense que vous pouvez monter sur sa tête avec la main qui était là. Je pense qu'il va, ouais, il va sûrement créer une boule puis faire apparaître des senteurs. Et oui, c'est ce qu'on sait. Je vais essayer de pas le rater. C'est ça qui m'a coûté la vie dans le rocket. Comment pas, Quoi? T'es capable, allez, ça va. Allez. Bon. Fais qu'est-ce que tu veux là, sérieux? Il décide de pas. N'importe quoi. Allez-vous-en, vous m'énervez. Purée. Les sangles sont vraiment énervants. Allez-vous-en, moi. Ah, c'est aussi à taper. Elle frappait sa tête. Aïe! Aïe! Aïe, ça fait mal! Je vais m'éloigner. Il va lancer sur ma... des boules. Ok. Il va, ok, créer encore ce tourbillon-là. Ce tourbillon va pas apparaître dès son cœur. Pour menu. Quoi? Les poissons. Allez-vous-en, là, sérieux, j'arrive même pas à monter sur sa tête. Et moi, laissez-moi en paix. Purée. Pourquoi tu peux monter sur la tête comme ça? Purée, c'est... Ah, mais... J'ai pas le temps, j'ai le temps, ouais, j'ai le temps. Non, c'est moi! Je vais encore mourir! Va-t'en! Frappe! Bon. Il allait me régénérer comme ça, là, j'ai pas le choix. Allez! Qu'est-ce que tu fais? Faut taper. Allez, descends! Allez, va-t'en! Bon, je dois taper son putain de bras, je vais taper sa tête. Je vais taper sa tête, arrêtez de me mettre n'importe quoi. C'est fou, ça me fait chier. Je peux me régénérer. Ok, je vais encore avoir une mort, ça va être super génial. L'épisode va durer 50 minutes, mais ça va être juste de la mort. C'est fou. Non, je n'ai rien. Il va me taper, il va pas mal. Allez-y. Oui, enfin. Ok, c'est pas juste des morts, c'est bon.
En plus de monter de niveau. Là, on est rendu à la ville de Traverse. Donc, dans un autre monde. Hey, you know, maybe we ought to go find Leon. Oh, Donald, you know, I bet you that, What do you know, you big Pinocchio? What do I know? Come on, Pluto! Dream. Oh, where am I? Oh boy. Do you know where we are? Oh, hey. Bon, on est rendu dans un nouveau monde. C'est vraiment étrange. Je suis dans un autre monde. Et oui, on se trouve dans la ville de Traverse avec cette sublime musique comme qu'on peut entendre qui a été refaite pour cette version finale mixte. Eh ben, super belle. Là, on s'en va dans cette place-là qui est la joaillerie. Bonjour, je peux vous... Oh, c'est qu'un gamin. Je suis pas un gamin, et je m'appelle Flora. D'accord, d'accord, calme-toi. Dis-moi, t'as l'air perturbé. Tu es perdu ou quoi? Non. Enfin, peut-être. Où sommes-nous? Faudrait savoir. Bon, je t'explique. La ville de Traverse? Dis le vieux. Je suis vraiment dans un autre monde? Ne m'appelle pas vieux, je m'appelle Sid. Bref, tu m'appelais gamin. Ben, là, ne me vanser, sérieux. Bref. Je ne vois pas de quoi tu parles, mais ce qui est clair, c'est que tu n'es plus sur ton île. Je ferais mieux de trouver et de chercher Rico et Kairi. J'ai pas compris ce que tu cherchais, mais bonne chance quand même. Si jamais tu as un souci, viens me voir. Ok, je verrai sur toi. Bref, ça c'est un autre, comme qu'on peut voir. Ah, il y a un coffre, je sais pas si tu peux aller chercher tout de suite, je vais aller voir. Eh ben oui! Quoi? Un bout de mitraille, ok. Bref. Ça, c'est, si je me trompe pas, c'est un personnage de Final Fantasy VII. Voici un autre petit mélange de Final Fantasy et Disney. Parce qu'on a vu Dingo puis Donald, et Donald. Là, on a vu on voit un personnage de Final Fantasy. Donc, c'est ça. Et voici les nombreuses preuves que c'est un mélange entre Disney et Final Fantasy. Bref. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, car ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, donc je vais arrêter là. Alors, en espérant que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Commentez, partagez, ça fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis, on se retrouve lundi pour le prochain épisode. Et samedi pour le prochain épisode d'Alice Retour au Pays de la Folie, Alice Madness Return.
Donc sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et bye tout le monde. Allez, bye bye.